Monsieur le ministre, monsieur le directeur délégué, monsieur le directeur et recteur des institutions de recherche, chers amis, mesdames et messieurs, je tenais à m'exprimer devant vous ce soir, à être présent parmi vous, parce que d'abord l'Institut de recherche sur le développement est sous la double tutelle attentive et bienveillante des ministères des Affaires étrangères et également de la recherche. Cette tutelle, cette double tutelle, impose à l'IRD le difficile exercice d'allier l'excellence scientifique avec les exigences de coopération et de développement. Je suis ravi, heureux que cette institution française puisse s'installer ici, à Tunis, dans des locaux enfin dignes de sa mission. Même si les anciens locaux ne manquaient pas de charme. Mais les murs ne sont rien sans les acteurs qui portent cette mission. Et l'IRD a trouvé ici, en Tunisie, un terreau fertile pour ses activités. La science en Tunisie, qui est si proche de sa cousine en France, est très en avance sur le continent africain et est donc un excellent partenaire pour nous. La qualité des universités tunisiennes, des instituts tunisiennes, n'est plus en effet à démontrer. Un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'abord pour découvrir ces nouveaux locaux de l'IRD et aussi pour féliciter monsieur le directeur pour sa nouvelle mission et aussi exprimer mes remerciements à notre ami et ancien directeur qui vient de finir sa mission en Tunisie et qui reste présent parmi nous. Effectivement, l'IRD est un institut qui soutient, qui apporte beaucoup de soutien à la recherche en Tunisie dans plusieurs domaines, en l'occurrence environnement, biotechnologie, eau, santé et dans plusieurs autres activités, essentiellement dans le développement justement de l'esprit entrepreneurial et de l'innovation. Et c'est une activité qui nous est très importante, particulièrement dans ce domaine-là de la biotechnologie et dans les sciences du vivant, étant donné nous avons un certain nombre d'instituts qui font une activité d'une bonne qualité, qui arrivent à produire beaucoup de diplômés, mais aussi beaucoup de travaux de recherche de bonne qualité, beaucoup de publications. Et curieusement, aujourd'hui, dans ces domaines-là, nous commençons à avoir des diplômés, même docteurs, que l'université n'arrive pas à résorber. Et du coup, passer à une activité recherche-développement, valorisation de l'activité de recherche, est très important dans ces domaines-là en particulier. Je vais maintenant passer la parole au directeur général délégué, donc cher ambassadeur, cher Jean-Marc, tu as la parole. Merci beaucoup François, mesdames et messieurs, bonsoir, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux, je suis fier, je suis content d'être là parmi vous ce soir pour l'inauguration de ce nouveau siège de l'IRD, qui marque une nouvelle étape, une nouvelle jeunesse. On va bientôt avoir 60 ans en Tunisie, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes nés ici en 1957. Nous fêterons donc nos 60 ans dans 2 ans en Tunisie. Mais cela ne veut pas dire pour autant, monsieur le ministre, que nous prendrons ici notre retraite. Au contraire. C'est une nouvelle vie, un nouvel engagement qui se poursuit. Et qui marque bien que la Tunisie est dans les priorités scientifiques, dans les priorités stratégiques, dans les réflexions de notre institut. La visite de mon président, Jean-Paul Moati, au mois de mars, juste après les tragiques événements, ma venue aujourd'hui ici, marque clairement notre souhait de poursuivre cette coopération, ce partenariat, dans la durée. Les résultats sont là. Nous avons de très nombreux expatriés ici présents, une quinzaine. Nous avons 11 masters, 25 doctorants tunisiens que nous formons. Nous avons des programmes tout à fait significatifs de coopération et de partenariat que sont nos LMI. Un LMI, un laboratoire mixte international qui est déjà en place, un nouveau que nous sommes en train de lancer.
Nous avons 5 équipes de jeunes équipes associées à l'international, 5 JEAI. Nous avons des partenariats inscrits dans la durée avec un certain nombre d'institutions ici.